Rita, as-tu des nouvelles de la tournée de Pierrot? Ben oui, par les journaux, il paraît que ça va superbement bien. Parfait. Ah. Oh. T'as dit que t'étais en train d'y goûter, voilà, toi. Je le savais, ben, que la chance finirait par tourner. Je le savais que tôt ou tard, j'allais gagner une partie. Gin! J'ai gagné! Bon, Dieu, je t'ai dit que c'est pas ma journée, hein? Pas capable de gagner une partie de carte? Pas un client de la journée, non? Ben, exagère pas le temps. On a eu deux clients ce matin. Arrête, moi, ça, deux clients ce matin, deux enfants, hein, qui voulaient chacun une marguerite. Pour mieux, tout est allé leur donner. Gratis, c'est pas là. Oh, ils avaient l'air tellement cute. Eh oui, il est cute. Là, c'est nous autres qui allons cute, là. Là, il est quoi, il est 4h30, là? Ben, on n'a pas une scène de rentrée. Mais le vent va tourner, Hector, le vent va tourner. C'est certain, oh. Pas avant ça. Le vent va tourner, mais ça, on va aller voir tourner le vent. Hein? On ferme les roses, on ferme. Laissez-moi rentrer! Laissez-moi rentrer! Ben, Hector! As-tu vu comment il est habillé, monsieur? Ben oui, t'es bien, Brandon Noss. Ben... Bien, Brandon. Ben... Oui. Oh. Madame, je vous avertis, hein, je passe avant vous, j'étais arrivé le premier. Oui, mais monsieur, on est les fleuristes, on allait partir. Je vous avertis, vous deux, je vous laisse pas partir. Non, hein. Non, monsieur, calmez-vous, là, calmez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Bon, je suis garçon d'honneur dans une noce, puis c'est moi qui s'occupe des fleurs. Ah. Pas de problème, on a tout ce qu'il faut. Oui, non. C'est quand, ça, ces noces-là? C'est dans 10 minutes. Ouais. Mais monsieur, vous n'avez pas honte, oubliez les fleurs d'un mariage. Laissez faire les remontrances, il y a déjà assez de la mariée qui veut me tuer. Là. Ça me prend 6 œillets avec une petite feuille de fougère là, pour chacun. Parfait, parfait. 6 œillets, quand même. Vous, madame, allez me chercher 6 orchidées, puis oubliez pas les petites épingles. Parfait. Allô? Oh, oui! Oh, Bertrand! Mais comment ça va? Ça fait une éternité qu'on s'est vu. Quoi? Oh, tu m'appelles de Québec? Bon, oh, mais... Excusez, écoutez, monsieur, vous appelez de Québec, ben achetez donc vos fleurs à Québec. Monsieur! Ouais, ben monsieur, ici, il reste 5 minutes sans ça, il est déshérité par sa grand-mère, hein? Vite, s'il vous plaît, mes orchidées! Oh. Ah, ben, les œillets, voilà! 1, 2, 3, 4... OK, il en manque. Ben, je vais revenir, hein, une seconde, Oui, allô? Je m'en occupe, Pardon? Ben oui, vous êtes aux fleurs du crépuscule. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que vous vous appeliez Bertrand Séguin? Votre mère est occupée dans le moment. Ah bon, vous déménagez à Québec. Ben bravo! Ça va en faire 6. Bon, oui, qu'est-ce que c'était le téléphone? C'est pas important, c'est pas important. Maintenant, là, le bouquet de la mariée, un beau bouquet de marguerite avec fougère liée. Je m'en occupe, je prends un message. Yeah. Oui, allô? Ah bon, vous, ça? Vous avez eu une promotion? Ah, oh, ben bravo! Ah. C'était quoi le téléphone? Hein, le téléphone, c'est un mauvais numéro. Ah. Résidence d'Hermance et d'Arthur Leblanc, bonjour. C'est la bonne? Comment ça, quelle bonne? Ben, la vraie, moi. Madame est à l'hôpital, puis monsieur est au salon funéraire. Si vous vous sentez pas bien, là, les deux peuvent vous aider. Ben, madame avant monsieur, évidemment. Allô? Allô? Merci infiniment. Sans vous, j'étais un homme mort. Hein? En parlant de mort. J'ai reçu un téléphone de Bertrand au salon funéraire. Ben voyons, Arthur, reprenez votre souffle. On va finir avec monsieur. Merci mille fois. Mais on peut-tu répondre à notre téléphone? Oui, oui, je vous en prie. Oui, allô, les fleurs du crépuscule. Oui, un instant. Mais monsieur, c'est pour vous. Oui, allô? Voyons donc, moi, oublier les fleurs pour l'église? Mais voyons donc, maman! Marie-Rose, il faut que je vous dise une grande nouvelle. Vite, vite, ça me prend mes fleurs pour l'église! Il faut que je vous en parle. Et vous, attendez votre tour! Oh, s'il vous plaît, monsieur. Bon, je vous permets 4 mots. Bertrand, promotion, déménagement, Québec. Bon, ça fait 4, là, hein? Vite, vite, mes fleurs!
Est-ce que je peux en ajouter quatre autres, monsieur? Ouais, mais faites ça vite! Vous deux, dans la rue! C'est non, mon pitou? C'est oui, mon minou. Oh, ça va bien que tu finirais par comprendre. C'est oui, mon minou. J'habiterai tout seul avec toi dans le logement du haut. T'as rien compris? C'est oui, mon minou. Je vivrai seul avec toi, Hector et Marie-Rose. Il n'est pas question que je vive avec des étrangers. Mon père, un étranger? Oui. Oh, mon père. Madame Leblanc, est-ce que je prépare le souper? Pas de suite, Sylvie. Je m'engueule jamais l'estomac plein. Ah. Bien, madame. Hermance, ma position est claire. J'habiterai le haut tout seul avec toi, compris? Oui, mon seigneur et mon maître. Enfin, une phrase que tu devrais dire plus souvent, ça, Hermance. Maintenant, mon seigneur et mon maître, est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Bien sûr. Voyez-vous, mon pitou, l'intérieur du garde-robe aurait besoin de peinture. Mais voyons donc, Hermance, je l'ai fait peinturer il n'y a pas 6 mois. Il y a sûrement quelqu'un qui est venu le dépeinturer. Regarde là-dedans. Vois-tu? Regarde dans le fond, là, regarde. Tu vois-tu quelque chose? Tu vois-tu? Hermance, qui a peinturé le fond du garde-robe tout en noir? Ça doit être la même personne qui t'a embarré. Quoi? Hermance? Hermance, laisse-moi sortir. Pas avant que t'acceptes de vivre avec papa puis même Séguin. Hermance! Hermance, tu sais que je fais de la claustrophobie. Je le sais. Pourquoi tu penses que t'es embarré là, niaiseux? Hermance, c'est criminel, ce que tu fais là. Puis tu penses que c'est pas criminel, toi, de mettre deux vieux dehors? Deux vieux qui ont pas d'argent? Puis mon père, en plus? Tu vas finir dans le donjon, pareil comme Marie-Antoinette. Hermance, tu peux pas me faire ça. Le seul problème que j'ai, c'est de te nourrir par le trou de la serrure. Ça va prendre des bimes, c'est de boucher, hein? Hermance, laisse-moi sortir! À moins que je te pose du manger de bébé avec une paille! Hermance, laisse-moi sortir! Je souffre! Puis tu penses que je souffre pas, moi, mettre mon pain dehors? D'accord, d'accord, j'accepte! Compte-toi chanceux de pas finir comme ta chum Marie-Antoinette. Mon pauvre petit amour. Je pensais te faire plaisir. Moi, je pensais que, hein, tu serais heureuse comme ça, qu'on soit ensemble tous les deux. Tu me donnes une bonne raison. Pourquoi j'aimerais ça, qu'on soit seuls, toi et deux? Mon petit amour. Oublions tout ça, là. Puis pensons au plaisir qu'on va avoir de vivre avec ton père, puis Marie-Rose, hein? C'est le temps de le dire, là. Tout est bien. Qui finit à mon goût? Oui, mon amour. Madame Leblanc! Madame Leblanc! Qu'est-ce qu'il y a, Sylvie? J'ai perdu copain. Qui, son copain? C'est mon petit hamster que j'ai acheté à matin en allant magasiner. C'est quoi, ça, un hamster, tu? Elle veut dire un hamster. Ah bon? Ça change tout? C'est quoi, ça, un hamster? C'est une espèce de petite souris, mais arrangée autrement. Ah! Vous avez acheté une petite souris que vous avez perdue dans le cul. Vous avez payé pour avoir une souris dans la maison? Je connais plein de monde qui ont ça gratis! Ben voyons, madame, c'est tout gentil, ça, un petit hamster! Ah oui, ben oui! Bien, Hermance, on va aider Sylvie à retrouver son petit copain. Je suis pas sûre que copain devienne copain-copain avec moi. Mais viens donc, Hermance! Toi, une fille d'un ancien homme de la Terre, je suis sûr que ton père aimerait ça, que t'aimes les petits animaux, là. Viens, viens, là. Viens, viens! Ah, mais, viens, ma fille! Mais, Hector, chez nous, c'est en haut. Ouais, pas pour longtemps qu'on laisse faire Arthur. Non, je t'en supplie, Hector, sonne pas. Tu sais bien que ta fille laissera pas Arthur nous mettre dehors. Non, voyons donc, viens-t'en, là. Il est pas gros, mais il est fin, hein? On le garde, hein? Il y a déjà trop de monde dans la maison. Mais je suis sûr qu'il aimerait ça être avec nous autres. Ton père aimerait ça, je suis sûr. Hey, là, là, je vais mettre les points saisis. Que mon père aime ça ou pas, c'est devant! Ah! Oh!
J'espère qu'ils nous ont pas entendu monter. Hector, reste calme, il y a sûrement une explication valable. Non, donc, toi, quelle explication valable? Laisse-moi réfléchir. Hector, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va s'emballer ici dedans, bon Dieu. C'est chez nous ici, puis ça va rester chez nous. Ah oui, viens prendre ton bout. Ah oui. As-tu l'intention de partir avec la table? Mais non, on va se barricader, comprends-tu? Oh. Oui. Réponds pas! Oui, mais Hector, tôt ou tard, on va perdre. Tu sais bien que c'est fini, alors accepte, Hector, c'est fini. Hé, on va se faire que ça va chez eux. Ils devraient arriver bientôt. On va les attendre ici. Prends la clé à main. Mon Dieu, vous m'avez fait peur! Vous répondez pas à la porte quand je vais vous annoncer que dorénavant, on va vivre ici tous les quatre ensemble? Je pense que nous autres aussi, on les a fait peur. Merci, madame. Ah, ça fait plaisir. Là, bravo. Bon, alors, à la santé de nous tous. Santé! Santé! C'est bon, ça? C'est bon. Ah, ben, j'en reviens pas, papa, que t'as pensé, là, que je vous laisserai dans la rue. Oui, non, je veux pas. Je veux pas vraiment penser ça, tu sais. Non, non! C'est pas ça que t'as perdu connaissance! J'ai pas perdu connaissance pour vrai, moi! Dans le fond, c'était juste pour accompagner Marie-Rose. Les meubles, comment c'est arrangé ça? Ben, c'est simple, je les ai achetés de Bertrand. Ah! Mais Bertrand, lui? Ah, inquiétez-vous pas pour lui, la Banque de Québec lui fournit une maison meublée. Toujours les mêmes qui ont la chance. Puis moi, ben, ça va me permettre de louer le bon meublé. Eh bien, Gouda, il nous reste plus rien qu'à nous entendre. Non, ça va être facile, je parle fort. Ah, ça, c'est vrai. Et si Mme Mabru veut visiter la moitié de sa maison? Avec plaisir, belle maman. Si vous voulez, on va commencer par les chambres. Non, non, on va commencer par la cuisine. Comme vous voudrez. J'ai traîné votre nouvelle cuisine en vous faisant un bon repas. Hey, on vous doit bien ça après tout ce que vous avez fait pour nous. Non, non, belle maman. Aujourd'hui, c'est fête. J'ai envoyé Sylvie chercher du homard. Ça va être l'enterrement de notre ancienne maison. Oh! Ça sera pas facile. Qu'est-ce qui sera pas facile, Monsieur Potvin? Ça sera pas facile que nos femmes s'entendent, voyons donc. Ils sont deux dans la cuisine, puis ils s'entendent pas. Que c'est que ça va être quand t'es moins de toi? Parce que Sylvie s'en vient, ça va en faire un homme de plus, là. Vous pensez qu'il va y avoir des conflits? Des conflits? Des guerres, Arthur. Des guerres. Comme ça? Homme, Arthur, cherche pas. La troisième guerre mondiale va avoir lieu d'être ici, dans la cuisine. Qu'est-ce que vous voulez? On n'y peut rien. Oui! On y peut quelque chose, c'est ça l'affaire. On y peut quelque chose. Oui. Si les femmes se chamaillent, parce que vont chamailler, bon, ils chamaillent tout le temps. On sait ça. Au moins, nous autres, les hommes, il faut donner l'exemple. Je vous comprends, M. Potvin. Vous pouvez compter sur moi. C'est ça. Parce que c'est la seule chance qu'on a que tout marche. Maintenant, Hermance, on va faire le tour des chambres. On va commencer par celle de Pierrot. Non, non, je veux voir la mienne tout de suite. Ça commence. Hé, nous autres, Arthur, on s'entend admirablement bien, hein? Oh oui, parfaitement. Bon, eh bien, tant mieux pour vous deux. Pensez-vous qu'on les a impressionnés? Je sais pas. Mais je sais que tu m'as impressionné avec ta maudite claque dans le dos. J'ai pas fait mal, hein? Pas non, pas... Non! Alors, non, non. Pas du tout. Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct, M. Potvin? Non, non. T'as bien fait de prendre mon fauteuil. À ce que je sache, mon ami, c'est le fauteuil du maître de la maison.
À ce que je sache, mon ami, t'essayes de mettre la patte sur tout. Hein? Même sur le journal que j'ai payé moi-même. Oh, hein? Ça va pas être belle chance. Oh! Ah, mais tu bannes, tu bannes! Mais je savais pas que t'étais drôle de merde! Moi non plus! Oh, mais on va voir ça, le Pierrot! Eh bien, dans ce cas-là... Très bien. De ce bout-là, certain. J'y vois pas d'inconvénient. Non? Tu peux rien voir attendre, toi. Oh. Je vous ai apporté des hors d'œuvre. Oh, merci. Oh, mon Dieu, 18 fumées, c'est ça que j'aime le plus. Et des anchois. C'est mon autre surprise avec les homards. Oh, vous auriez pas dû, Hermance, vous auriez pas dû. Oh. Ben, voyons, sois poli, Hector. Non, après toi, mon cher Arthur. Non, non, après toi. Ah non, ah non, ah non, non, non. Après toi, Arthur. Non, non. J'insiste. Bon, mais si vous insistez, alors je vais prendre celle-ci, celle-ci. Oh, ben ça, bon Dieu, je ne prends pas! Voyons, Hector, voyons. Il a pris toutes les huit fumées, bon Dieu! Oui, c'est grave, en maudit, parce qu'il a fait exprès. Ça va! Si, lui, c'est ça, j'aime le mieux! Arthur, donne une huit fumée à papa. Mais pourquoi lui, il a droit à plus que moi? Arthur, quand est-ce que tu vas comprendre qu'il faut que tu partages avec tes petits compagnons? Oh, mais c'est lui qui a commencé, hein? Depuis que je suis arrivé, là, il ne lâche pas. Oh, ben ça, c'est pas vrai. Crois-le pas, mais là, Sylvie qui a commencé. Il a commencé par me voler ma chaise, en parlant de ça. Non, excusez-nous, là, Sylvie, vous pouvez disposer. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, hein? Mon chum est pareil. T'as pas honte, Dwayne? Tu te conduis comme un bébé? Veux-tu que je te fasse faire ton roux ce soir? Non, non, meilleur. Veux-tu que je te fasse passer ton roux ce soir, Arthur? Hector, conduis-toi comme un homme. Arthur, essaye de te déguiser en homme. Ben, celle-là est meilleure. Merci. OK. On va régler ça en trame. Lève-les, bon Dieu! Oh. Mais voyons, c'est de la folie! Vous n'allez pas vous battre devant nous! Marie-Rose a raison. Il faut pas que les femmes voient ça. Je suis d'accord. On va aller régler ça dehors! Sur le trottoir, bon Dieu! Sur le trottoir! Ben, Hermance, faut faire quelque chose! Tu avais raison, belle maman. D'en haut, on verra rien. Passez-moi vos longues vues! On peut pas se battre dehors, il pleut. Toutes les raisons sont bonnes quand on a peur. Oh! Arthur, les nerfs! Va faire une sieste pour te calmer avant le souper. Excellente idée. Hein? Au moins, on va avoir la paix. Si t'as besoin de lumière pour t'éclairer le cerveau, là, il y en a un juste au-dessus de mon lit. Mon lit!
chapeau, vous nous avez servi un repas extraordinaire. Oh, puis vous aussi, Sylvie. Félicitations. Merci, madame. Madame Leblanc, pourriez-vous me dire où est ma chambre? C'est celle-là, Sylvie. Merci, madame. Poussez pas, là. Arthur! Bon, il pousse pas parce que ta maudite valise m'en sacre en boîte d'escalier. Ça me fait rien, moi. Mes valises sont plus dures que votre tête. Ah non, vous n'allez pas recommencer tous les deux. Recommencer? Tu l'as vu pendant le souper, moi, il faisait rebondir sa cuillère dans le jus de mort pour que je l'aille d'en faire. Non, c'est lui qui a commencé ça, là. Il a essayé de me prendre le doigt là, dans la pince à écraser les homards, puis j'ai ôté mon doigt juste à temps. Non, Hermance! Prenez la relève, moi, je sais plus quoi dire. D'accord, va me servir de psychologie. Hermance, c'est pas moi qui a commencé ça, c'est lui! Arthur, tatoué! Ça marche, la psychologie, hein? Maintenant! Parle-moi jamais à ce ton-là, toi. Bon, alors, Hector, c'est notre seule chance. Mets de l'eau dans ton vin, je t'en supplie, Hector. Non. On va essayer. Moi aussi, je vais essayer. Est-ce que quelqu'un pourrait ouvrir le stylo de la salle de bain? C'est pas mal. Merci. Non, on va faire plus qu'essayer. On va réussir, hein, tu sais? Oh oui, on va sûrement réussir. Hermance? Oui? J'ai le goût de lui offrir un cadeau de bienvenue à cette petite Sylvie-là. Moi aussi. Je pense que je vais lui acheter une belle grosse robe de chambre en chenille mauve foncé. Puis moi, là, pour aller avec tout ça, un beau set de bigoudis rose fuchsia.